Bonjour, je m'appelle Grenadine Révérend, je suis une diplomate française en poste à l'ambassade de France à Berne. Je suis aussi la correspondante pour l'égalité entre les femmes et les hommes au sein de l'ambassade. Donc c'est bientôt le 8 mars, mais qu'est-ce que c'est le 8 mars? Le 8 mars, c'est vraiment la journée des femmes, la journée des droits des femmes. Ce jour-là, comme tous les autres de l'année, on doit exprimer notre souhait, notre volonté d'avoir des droits. Cela passe par une diplomatie féministe. Une diplomatie féministe, c'est 1. Tout faire pour promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes partout dans le monde. Donner une place aux femmes dans la société. 2. Lutter contre les violences faites aux femmes pour les éliminer le plus tôt possible. Et 3. Être exemplaire au sein de nos équipes de travail, au sein de notre ambassade. Moi-même, je suis une maman. J'ai une petite fille, j'ai un travail. Et je lui explique que c'est important de ne renoncer à rien. Ne renoncez pas à avoir des enfants, ne renoncez pas à avoir un travail, ne renoncez pas à faire tout ce qui vous rend heureuse. Parce que c'est ça qui fait qu'on est des femmes et on doit avoir ce droit-là un peu partout. J'ai été frappée peu après mon arrivée en Suisse en 2019 par la grève des femmes. C'était très impressionnant de voir toutes ces femmes dans la rue qui marchaient, qui demandaient plus de droits. Plus de droits justement pour pouvoir faire tout ce qui les rendait heureuses. Plus de places en crèche, plus de facilité à avoir un travail, plus de télétravail. Alors voilà, le 8 mars, ne renoncez à rien.